Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bienvenue à ce live. Je suis le pasteur Yvon Mouquetou, pasteur associé à l'église Aswer Lyon. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour partager ensemble la parole de Dieu et nous allons finir notre thème intitulé « Neutraliser l'esprit de séduction ». Nous avons vu déjà pas mal de choses. Je vous invite, si vous l'avez pas euh, suivi, si vous n'avez pas suivi les, les différents lives, vous pouvez regarder sur notre page YouTube et vous allez pouvoir donc suivre ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Nous n'avons pas l'intention, comment dire, la prétention d'être exhaustif, mais nous voulons vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez faire face dans les temps euh, aussi critiques que l'Église connaît aujourd'hui avec euh, toutes sortes de séductions. Qui se présente devant les enfants de Dieu, c'est important d'avoir les yeux ouverts, d'avoir l'esprit alerte pour pouvoir neutraliser ces manœuvres de l'ennemi. Nous allons prier, et remettre ces moments au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Elle nous fait du bien, elle est la vie, elle nous éclaire. Je prie que ton Esprit nous enseigne encore et nous révèle le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, et que l'onction du Saint Esprit nous équipe pour faire l'œuvre et neutraliser les puissances des ténèbres, des esprits de séduction. Merci parce que tu nous gardes en toi, tu nous gardes fidèles jusqu'au bout. Au nom de Jésus, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons finir donc, euh, en parlant de la séduction euh, par rapport au ministère. On va parler de la séduction par rapport à la gestion de nos biens, de nos richesses. Et puis, nous allons donner quelques conseils pour vraiment lutter, neutraliser ces esprits de séduction qui peuvent s'attaquer à nous. Euh, vous savez, le diable euh, a des intentions mauvaises pour chaque créature de Dieu. Et il va utiliser la ruse et les moyens de séduction pour atteindre ses buts. Avant d'employer la violence, il emploie la ruse. Parfois, il fait un mix des deux. Mais comprenez que la ruse... La séduction, c'est la méthode douce, insidieuse, entre guillemets, mais l'objectif reste le même, c'est égorger, c'est dérober, c'est détruire. Donc, nous ne devons pas être ignorants, euh, la Bible dit, afin de ne pas donner un avantage à Satan. Vous comprenez, nous ne devons pas être ignorants. Alors, la séduction <coughs> par rapport au ministère. Vous savez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez donné votre cœur à Jésus et vous êtes déterminé à le suivre et à le servir. Il faut savoir que l'ennemi va vous attaquer sur différents thèmes. Il va vous attaquer de différentes façons. Euh, S'il sait qu'il vous a perdu, il ne peut pas vous détourner du Seigneur. Il va au moins essayer de vous ralentir dans votre marche avec Dieu. Il va au mieux essayer de vous détourner de la voie du Seigneur de façon progressive, de vous amener dans des connexions qui ne sont pas bonnes, vous amener à faire des choix qui ne sont pas bons, vous amener dans des lieux où vous n'êtes pas censé être, etc., etc. Tout ça pour nuire à votre relation avec Dieu et du coup à votre ministère, à l'impact que vous devez avoir, à la gloire, au rayonnement de la gloire que vous devez avoir. Et lorsque vous avez un appel à servir Dieu, lorsque vous avez, vous ressentez dans vos cœurs ce feu pour l'œuvre de Dieu, sachez que les esprits de séduction vont également se mobiliser contre vous, vont également vous attaquer. Et c'est là où on entend beaucoup de personnes dire, je ressens un feu en moi et j'ai entendu Dieu me dire que je dois créer mon propre ministère, je dois lancer mon propre ministère. Bien-aimés, sachez que ce que vous entendez, même si ça vous semble cohérent avec la parole de Dieu, qui dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, et priez pour que Dieu envoie les ouvriers. Oui, Dieu envoie les ouvriers, mais il ne les envoie pas n'importe comment. Et il y a beaucoup d'ouvriers qui sont disqualifiés. Ou qui se disqualifient dans le processus de leur entrée dans le ministère. Et ça, ce sont des esprits de séduction. Tu as un vrai appel au ministère, tu as une vraie onction qui repose sur ta vie, mais l'esprit de séduction va t'amener à faire les choses différemment pour ne pas que tu sois aligné avec le dessein de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Bien aimé, ce que je vous dis est très important. Et souvent, beaucoup de jeunes tombent dans ce piège parce que, justement, il y a un feu qu'ils ressentent véritablement qui brûle en eux. Il y a ce zèle qui les dévore pour Dieu, pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et ils oublient qu'il y a des règles, qu'il y a des cadres, qu'il y a des principes. Et c'est là où vous allez voir des gens qui vont vous dire Moi, Dieu m'a parlé. Et ils me demandent de créer mon propre ministère. Et souvent, ils vont voir leur pasteur. Ils vont, ces jeunes, parce que souvent, ce sont des jeunes qui sont zélés pour Dieu. Et ils vont aller voir le pasteur pour dire "Pasteur, Dieu m'appelle à créer mon église, et du coup, je veux partir euh, créer mon église." Et très souvent, les pasteurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont peut-être en apparence moins zélés, mais qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la sagesse de Dieu, et qui savent discerner les temps et les saisons, peuvent, te, peuvent dire à ces jeunes là. Attention, ce n'est pas encore le temps. Attention, ce n'est pas le moment. Attention, tu t'y prends de la bonne façon, de la mauvaise façon, pardon. Et là, la personne va dire, mais si j'ai entendu une voix me dire, lève-toi, va faire ceci, va faire cela. Bien-aimé, c'est pas parce que tu entends une voix au moment où tu ressens le feu de Dieu que ça veut dire que cette voix était forcément une voix qui venait de Dieu. Mmh, Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend Mon ami partage, tu vas sauver un jeune qui est sur le point de se prendre une raclée. Vous comprenez ça Regardez. Vous allez voir des gens qui vont vous dire J'ai un appel et quand on doit servir Dieu, on n'a pas besoin de consulter la chair et le sang, il faut servir Dieu. Et ils vont vous prendre le passage de Galates 1, je vais vous montrer ce passage. <laughs> Galates 1, on va lire Galates 1 à partir du verset 15, ok Et écoutez bien comment l'esprit de séduction va tromper les gens, parce que ils vont prendre des versets hors de leur contexte et ils vont se les approprier pour faire des erreurs graves qui vont coûter, euh, comment dire, qui, qui peuvent coûter très cher. À leur vie, à leur ministère et à la vie, à la destinée des gens. Regardez, Galate 1,15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair et le sang. Vous voyez <laughs> Vous voyez Il n'a pas consulté la chair et le sang, l'apôtre Paul. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc ils vont prendre ce passage, ils vont oublier, puis je revins encore à Damas, ils vont oublier ça, ils vont dire... Vous voyez, l'apôtre Paul, il n'est pas parti voir les apôtres. Il n'est pas, pas parti voir les apôtres parce que Dieu l'a appelé. Vous comprenez euh, Et, et il dit Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de la de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je, montais, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. Donc ils vont me dire, voilà, Dieu m'appelle. Je n'ai pas besoin de consulter la chair et le sang. Je peux me lever, je peux partir. Parce que ce n'est pas une histoire de la chair et le sang. Je sens ce feu en moi. Je sens cet appel en moi. Et j'ai entendu cette voix. Et hey, 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 doucement, doucement, doucement. On est ici dans le livre de Galates. C'est une épître que l'apôtre Paul va envoyer aux Galates. D'accord mais il faut savoir que avant qu'il ne devienne apôtre Paul, il a été Paul. Quand vous lisez les écrits de Paul, d'accord, vous avez donc, on parle de l'histoire de Paul à partir de Actes des Apôtres au chapitre 9 ou au chapitre 10, lorsque Dieu va se révéler à lui sur le chemin de Damas. C'est sur ce chemin que Dieu va se révéler à lui et va lui dire qu'il l'appelle d'accord mais Paul ne va pas partir comme ça parce que dans un premier temps Dieu va parler à Ananias qui était un ancien de la ville de Damas pour lui dire va prier pour Paul afin qu'il reçoive l'esprit qu'il recouvre la vue parce que c'est un ouvrier c'est un instrument que j'ai choisi donc tu n'es pas un instrument tu n'es pas un électron libre dans l'univers de l'œuvre de Dieu, dans le euh, comment dire ça, dans l'environnement où Dieu accomplit son plan pour les hommes. Tu n'es pas un électron libre et il y avait des gens avant toi. Donc, ce n'est pas parce que l'apôtre Paul dit qu'il n'est pas allé voir les autres apôtres qui étaient là avant lui, mais il est quand même, il était quand même sous le regard de Ananias qui est le père spirituel de l'apôtre Paul. Ok Et l'apôtre Paul ne s'est pas levé lui-même pour dire que je suis un apôtre. Quand vous lisez dans Romains, il va dire Paul, serviteur de Jésus-Christ. Dans Corinthiens, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Un Corinthien, deux Corinthiens. Et c'est dans Galates, maintenant, qu'il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc, il reconnaît il a reconnu qu'il était appelé et il est passé par un certain processus. Et s'il vous plaît, ça n'a pas duré un an. C'est plusieurs années qui sont passées entre la rencontre de Paul avec le Seigneur dans Actes des Apôtres chapitre 9 et le fait qu'il se déclare apôtre. Et pourtant, il a été appelé. Et entre-temps, il est passé entre les mains de deux leaders. Le premier, c'est Ananias et le deuxième, c'est Barnabas. Et regardez ce qui va se passer. Donc, si vous prenez juste Galate 1 comme ça, vous le dites et vous le réclamez, vous le clamez haut et fort, vous allez passer à côté, bien aimé, partagez ce live. Si vous n'avez pas encore partagé, vraiment, je vous invite à le faire parce qu'il y a vraiment euh, une grâce, d'accord Il y a vraiment une grâce que Dieu veut manifester dans votre vie et dans la vie des frères et sœurs. Euh, qui sont autour de vous que vous allez également encadrer certainement par la grâce de Dieu et vous allez les aider à ne pas tomber dans certaines erreurs. C'est pas parce que tu sens le feu en toi que ça veut dire que tu dois courir, que tu dois sauter et que tu ne dois plus écouter ton pasteur, que tu ne dois plus écouter ton responsable de réseau, ton responsable de GR, etc., etc. Il faut faire extrêmement attention parce que ce feu là ne va pas empêcher un esprit de séduction de venir te parler, te dire, de faire des mauvaises choses. Donc, l'apôtre Paul, clairement, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, donc Actes des Apôtres, <coughs> Actes des Apôtres au chapitre 9, D'accord Dieu va parler à Ananias au verset 15, en disant, va. Car cet homme, donc Dieu dit à Ananias, d'aller vers Paul. Va, d'abord, Dieu rencontre, le Seigneur Jésus rencontre Paul. Il lui dit, que veux-tu que je... Qui es-tu, Seigneur Acte 9, 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait Dieu de rejeter contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et... On te dira ce que tu dois faire. Pourquoi le Seigneur Jésus ne lui a pas dit directement, et pourtant il était en face de lui Parce qu'il y avait un ancien à Damas qui avait ce rang honorable et qui allait être chargé d'enfanter Paul. Vous comprenez ça Le grand apôtre Paul ne s'est pas enfanté lui-même. Et Dieu va parler à Ananias et lui dire... Donc, euh, « Va, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison du Jean un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu... » On est dans Acte 9, au chaud verset 12. « Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. » comprenez ça ?« Afin qu'il recouvre la vue. » Ananias dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Il a ici des pouvoirs de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, pardon, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, dont le Seigneur dit à Ananias, au sujet de Paul ou de Saul, à ce moment-là Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Vous comprenez Donc, Ananias est parti. Il a imposé les mains à Saul. OK Regardez. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Voilà où le transfert s'est fait. Saul ne s'est pas enfanté lui-même. Il n'est pas entré dans le ministère lui-même. Les esprits de séduction vont souvent vous amener à griller les étapes qui vont vous donner de la consistance dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Vous pouvez entrer dans un appel. Si vous entrez de la mauvaise façon, ne vous inquiétez pas. Vous allez payer les conséquences. Et le diable va vous attaquer et vous n'aurez pas l'impact que vous êtes censé avoir. Donc il lui impose les mains en disant, « Seul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. » et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Il ne s'est pas baptisé lui-même, on l'a baptisé. Vous comprenez Et après qu'ils eurent pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Écoutez, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, il est entré dans l'école des disciples de damas et il a eu le s'est mis comme un disciple qui venait apprendre le monsieur qui avait étudié la torah la loi qui était un docteur de la loi qui avait été formé par gamaliel il s'est remis dans la position d'un disciple pour se dire je veux qu'on m'enseigne et c'est là qu'il a été enseigné avant de partir écoutez encore ceci donc n'écoutez pas les esprits de séduction qui veulent vous pousser à partir trop tôt OK Tous ceux, écoutez, donc, euh, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, on lui a expliqué ces choses qu'il a commencé à prêcher. OK Et vous lisez au verset 22, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les juifs qui étaient y habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, voyez, les Juifs se concertèrent pour le tuer et le complot parvint à la connaissance de Paul. On gardait les pots jour et nuit pour, afin de lui ôter la vie, mais pendant la nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans la corbeille. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a fait partir comme un fugitif. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous, les, tous le craignaient ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur et qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom du Seigneur. Donc vous voyez que... Euh, ce pas parce qu'il y a un feu qui brûle en vous que l'Esprit de Dieu vous appelle, que vous allez dire dont je ne consulte pas la chair ou le sang, tout ça. Il ne faut pas prendre les versets hors de leur contexte. Quand on va dans Actes des Apôtres chapitre 13, la Bible est très claire. La Bible dit que il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon, Niger, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm, qui avait été élevé avec Hérode le Tétarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part Saul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à et de là, il s'embarquait pour l'Égypte. Voyez, donc là, il commence euh, une série de voyages missionnaires. Bien aimé, ne laissez pas l'esprit de séduction vous faire griller les étapes. Ok, vous devez pouvoir identifier que il y a un feu qui brûle en moi, d'accord Mais il y a des cadres, il y a des principes, et il y a des recommandations. J'ai l'habitude de dire, je vous le répète, s'il vous plaît, on ne se recommande pas soi-même. Ok on ne se recommande pas soi-même. Il y a toujours quelqu'un qui doit vous recommander, quelqu'un qui doit vous ouvrir la porte. C'est pourquoi la Bible dit frappez et on vous ouvrira. On, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté qui peut t'ouvrir la porte. Il n'est pas question que tu casses les portes. Vous comprenez ça Tu frappes, on va t'ouvrir. Donc, comprenez bien ces choses, c'est important. Les esprits de séduction vont beaucoup fatiguer les chrétiens, même ceux qui ont des appels par rapport à cette notion. Parfois, vous allez penser que euh, c'est le temps mais c'est pas le bon temps l'appel est véritable mais ce n'est pas le bon temps ce n'est pas la bonne saison il faut écouter ok il faut écouter donc très important d'écouter de ne pas se laisser séduire d'accord je vais finir avec la séduction dans la gestion des biens des richesses de l'argent vous voyez lorsque vous êtes connecté à Dieu euh, c'est important que vous compreniez qu'il y a des principes. D'accord Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, que nous devons donner à Dieu. Et il est hors de question de prendre ce qui est à Dieu et de le donner à quelqu'un d'autre. Je vous prends un exemple. Vous avez quelqu'un qui va vous dire, Dieu m'a parlé et il m'a dit de prendre ma dîme et de la donner à quelqu'un. Bien-aimés, la dîme, d'après la parole de Dieu, est pour la maison de Dieu et pour la maison du trésor. Ce n'est pas la dîme qu'on donne à un frère qui est dans le besoin. Ce qu'on donne à un frère, ça s'appelle l'aumône. Vous comprenez ça Il ne faut pas mélanger les choses. Et vous pouvez vous auto-satisfaire, vous, vous, vous vanter d'une certaine euh, miséricorde et d'une certaine piété, parce que soi-disant, vous avez entendu une voix vous dire de prendre votre dîme et de la donner à un frère. Ce n'est pas la même chose. Il faut faire les choses dans l'ordre. La Bible dit donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donc, ne soyez pas séduits. Donnez à Dieu ce qui lui appartient. Et donnez aux hommes ce qui leur appartient, ce que vous jugez utile de leur donner. Vous comprenez Donc, il y a beaucoup de pièges comme ça. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont déjà posé le cas. Pasteur Yvon, comment je fais Il y a un frère qui sollicite euh, mon aide. Euh, mais euh, là, j'ai la dîme, je veux lui donner ça. Je dis non mais non et non et non. C'est pas parce que tu as été sollicité, tu ne fais pas une bonne chose. Vous comprenez ça En fait, il y a dans nos biens ce qu'on appelle une part d'alliance. C'est le témoignage que nous reconnaissons que dans ce que nous avons, il y a une partie qui appartient au Seigneur. Et nous lui donnons ce qui lui appartient. Nous n'avons aucun mérite, ça lui appartient. Vous comprenez ça Donc, on lui donne ce qui lui appartient. Et avec le reste, on a la liberté de juger comment venir en aide à un frère, une sœur qui est dans le besoin. D'accord Maintenant, l'Esprit de Dieu... Peut vous parler effectivement, peut challenger votre foi. Vous avez déjà donné votre dîme, vous avez déjà donné vos offrandes, mais l'Esprit de Dieu te dit prends encore ce que tu as et sème-le. Sème dans la vie de ton homme de Dieu, sème dans la vie d'un frère, sème dans la vie d'une de, de, œuvre sociale, etc. etc. L'Esprit de Dieu peut te parler et tu ne dois pas dire à ce moment arrière de moi, Satan, ce n'est pas Dieu qui me parle. Parce que j'ai déjà donné ma dîme, j'ai déjà donné mes offrandes, j'ai déjà fait ma part, euh, il n'est pas de question que je donne en plus. Vous comprenez L'Esprit de Dieu peut te challenger, peut te donner des instructions qui vont, qui vont défier ta zone de confort et qui vont te pousser à aller au-delà de ce que tu fais déjà. Et ça vient de Dieu. Par contre, faisons attention lorsque nous entendons soi-disant des instructions, mais qui visent à nous détourner des ordres déjà établis par Dieu. OK? déjà établi par Dieu. Très important. Très, très, très important. Vous avez des gens qui vont dire, vous avez cet esprit de séduction qui va amener les chrétiens à, à, à ne pas considérer que votre homme de Dieu a été établi là pour votre bénédiction et vous devez être connecté à lui. Vous, vous devez semer dans sa vie pour vous connecter à la grâce qui repose sur sa vie. C'est important qu'on vous le dise. C'est important que vous le sachiez. La Bible dit ceci Ayez foi en Dieu et vous ouvrez. Je crois que c'est 2 Chroniques 20-20. Je vais vous, vous lire ce passage. 2 Chroniques. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous Réussirez. Il y a une séduction souvent qui amène ce qu'on appelle un esprit de familiarité où vous minimisez la grâce qui repose dans la vie de votre homme de Dieu. Mais bien aimé, c'est ce pas des choses à la bouche. C'est ce pas la loi de l'honneur. C'est pas juste dire à la bouche. C'est dans les faits, dans les actes et dans les offrandes. Ça dénote de la considération. Que nous avons pour l'homme de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas de honte ou de scrupule à avoir par rapport à ça. Ce sont des principes spirituels. Et vous avez des pensées qui vont vous amener à amoindrir, à, 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 à réduire la considération que vous avez dans votre homme de Dieu. Parce que, eh bien, vous devez avoir confiance en Dieu. Oui, mais Dieu a placé ses serviteurs aussi pour vous. Vous comprenez ça? Donc, c'est l'œuvre de Dieu, c'est comme ça qu'il fait les choses. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la parole de Dieu. Je l'ai trouvé comme ça, moi-même je l'ai appliqué, je l'applique toujours et je vois la grâce de Dieu qui coule et qui se manifeste dans ma vie parce que j'applique la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, euh, ne tombez pas dans cette séduction qui va vous amener à mépriser les hommes et les femmes de Dieu que Dieu vous a donnés et à passer à côté des grâces que Dieu veut vous communiquer au travers de leur vie. Voyez, il dit, confiez-vous en Dieu, confiez-vous en Dieu, en l'éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Je vais vous lire ce passage en anglais. Vous allez voir, en anglais, c'est... Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe in his prophets, so shall ye prosper. Vous comprenez que il dit de croire en Dieu, vous serez affermis, et de croire en ses prophètes et vous prospérerez. Donc la prospérité est connectée à la confiance et en l'honneur que nous témoignons aussi vis-à-vis -vis de nos hommes de Dieu. Ne tombez pas dans la séduction de croire que vous allez recevoir une huile spéciale que Dieu va déverser sur vous alors que vous méprisez l'homme et la femme de Dieu que Dieu a établi sur vous, sur qui l'huile, une huile est censée descendre et descendent sur vous. La Bible dit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, la barbe d'Aaron, et descend tout le long de ses vêtements. Donc, Dieu déverse une huile sur ses prophètes, sur ses serviteurs, sur ses bergers, pour son peuple. Et l'huile descend sur les bergers et descend dans la vie du peuple. Donc, si tu tombes dans la familiarité, il y a des grâces que tu ne vas pas expérimenter. Tu te fermes toi-même. Vous comprenez Mais ça, c'est des séductions très insinueuses que le diable va amener pour brouiller les relations que les gens ont avec leurs hommes et leurs femmes de Dieu et pour les empêcher de rentrer dans une certaine dimension de grâce Alléluia comprenez que Dieu a établi des lois et des principes nous ne sommes pas sous la loi nous sommes sous la grâce mais être sous la grâce ne veut pas dire qu'il n'y a pas des principes qu'il n'y a pas des normes qu'il n'y a pas des lois vous comprenez ça et <laughs> ne nous mentons pas à nous mêmes ne soyons pas séduits, vous comprenez Donc, Dieu va vous placer sous une autorité, sous un leader, et ça va également être une des, un des moyens pour pouvoir lutter et neutraliser les esprits de séduction. Donc, le premier moyen, je finis là-dessus, c'est vraiment être attaché à la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas tromper ou séduire quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, le, la méditation de la parole de Dieu au quotidien. Première clé. Deuxième clé, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, être soumis à Dieu. Avant de résister à un esprit de séduction, sache que tu dois être soumis à Dieu, soumis à sa parole, soumis à, à, à ses instructions. OK? Et résister à, au diable. Résister, on résiste avec une foi ferme, mais la foi vient de la parole de Dieu. Donc, c'est dans la parole de Dieu que tu vas apprendre les principes de foi qui vont te permettre de résister aux esprits mauvais, dont les esprits de séduction. OK? Donc, la parole de Dieu. Ensuite, la soumission à la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu et le fait de savoir résister au diable avec une foi ferme. Et le dernier conseil, c'est pouvoir être connecté à une autorité spirituelle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a un discernement supérieur au tien. Et c'est pourquoi Dieu te donne des bergers parce qu'ils peuvent voir des choses que tu ne vois pas. Ils peuvent entendre des choses que tu n'entends pas. Et la Bible dit qu'ils sont établis comme des gardiens de vos âmes. Donc, lorsqu'un esprit de séduction vient, le gardien de ton âme doit pouvoir l'identifier. C'est pourquoi tu dois faire confiance. Si tu crois avoir reçu une instruction du Seigneur qui te semble compliquée, mais n'hésite pas à en parler avec ton homme de Dieu et à suivre le conseil et l'instruction que ton homme de Dieu va te donner. Et je pense à ce frère qui venait me voir pour me dire qu'il a un appel. Et qu'il pense qu'il doit se lancer. Et je lui dis, mes frères, tu n'es pas encore prêt. Tu n'as même pas fait tes preuves avec un groupe de maison. On ne t'a même pas confié un groupe de maison. Tu n'as même pas montré que tu es capable de t'occuper d'une âme, de suivre une âme. Mais tu me dis que tu veux lancer une église, tu veux lancer un ministère. Mais tu vas te prendre des claques. Vous comprenez ça? Mais il ne m'a pas écouté. On verra bien. Vous comprenez? Mais sachez que. La parole de Dieu est certaine et elle a fait ses preuves. Nous devons faire attention. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne le discernement, la sagesse et qu'il nous donne vraiment d'être connectés à lui, connectés à la parole et connectés à nos hommes de Dieu. C'est ainsi que nous sommes en sécurité et que les esprits de séduction, nous allons pouvoir les identifier et les neutraliser au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine série d'émissions où nous allons dénoncer l'esprit d'erreur. Et là, nous allons parler de neutraliser l'esprit d'erreur. Que Dieu vous bénisse. à très bientôt. Ciao. Bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à suer Les de Lyon ou alors nous envoyer un mail à contact à gmailcom Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur le Dio.